Wow. Bonjour Frère Maxime, comment nous essayons JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre la caillou. Moi dis nous un grand merci parce que nous avons suivi moi. Moi dis nous merci parce que nous faisons confiance. Merci de tout cœur pour bouche à l'oreille que nous faisons pour moi, ok? Moi dis ou pas. Là je dis à la m'a fait une invention pour nous. Je vais commencer à entrer avec force, ok? Je vais faire un yam bourré pour nous. Épinard et puis avec lambi, ok? Avec épinard, et puis m'a fait une sauce la loi avec, ok? Et puis nous allons, ok? Moi, commencer. Pour me commencer, moi, caler yam en quai, ok? Yam nan caler entier, ok? C'est toujours le même principe, ok? De l'eau, moi, frère, moi, déposer yam dans la dalle, faut yam nan immerger, hein? Qu'on a la m'a fait ça, ou les blanchir. Le terme blanchir, moi, je veux que nous kembel dans la tête, nous, c'est ça, nous, les yon cuisson braque là, ok? Moi, pral blanchir yam là, ok? Seulement, c'est très important, ça m'a dit non là, pour nous veiller, pour nous pas quitter le bouillir pour le cuit là. C'est nous quitter le bouillir, le pas bon là, blanchi. Alors, il dit là, là, monter tranquillement. Dès que bouillon a monté, m'a quitté simplement faire un petit bouillon de 2 minutes avec, et puis m'a pas arrêté cuisson, m'a mettre dans l'eau froide. Hein? C'est pas encore prêt encore. M'a montré nous le prêt. Moi, qu'on est là, mais yam là, j'aime te dire non, il finit monter, il finit bouillir. Mais pas cuite là, l'eau a monté à la chaleur à la chaleur normale 100 degrés. Il bouille 2 minutes, m'arrêter cuisson, me jeter de l'eau, moi refroidir. Mais là, on a là moi gagne un yam là même qui braque là, OK? M'va veler nous mêler ça fait me prend, m'a fait une après l'autre. Qu'on a m'va faire un trou en dedans yam là, OK? N'a pour ça moi gagne un couteau pour ça. N'a m'va commencer pour me faire trou, OK? M'va fin faire forme là après ça m'va dans mi-temps. Ça, c'est le même qui forme trois. Ok? Mais forme trois. Qu'on a mal commencé. On va mettre la caméra tête en l'air pour nous voir qui ça m'a fait. Ven, ok? On a mal continué, fait trois plus en bas. Si mon saut, il ça, m'a bien besoin. Hein? Nous voir ça m'a fait avec après. Qu'on a mal doucement pour que moi pas fait un. Pour ne pas péter. Pour ne pas percer yam nan sous côté. Ok? Moi, dis nous déjà, la cuisine, c'est s'amuser là. Qu'on a si nous remarquer moi arrivé dans la profondeur moi arrivé du côté côté en haut qu'on a là moi passer par en arrière qu'on a là moi pour reperforer là encore pour mal joindre en dedans OK on va commencer couper on va commencer faire en bas encore la même chose on font tirer encore la même façon OK qu'on a là nous capable d'un côté nous l'autre côté qu'on a là moi va là avec même comme ça qu'on a mal joué dans petit trou, ok? L'aime dit jouer dans petit trou, ça veut dire pour me faire espace pour que ça ait une belle couche de garniture qui en dedans, ok? C'est parfait ça. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai besoin, hein? Ok? Qu'on a là mal préparé garniture de lambia pour nous et puis avec épinards, ok? Qu'on a là mal mettre ça dans le frigidaire, il pourra le finir refroidir au complet et puis après nous voir la suite, ok? Ça c'est première étape. Maintenant, bien là, mon tête est nettoyé déjà, mais beaucoup. Et puis, je vais le tremper avec citron. Ok? Même quitter un morceau pour nous. Finalement, je vais demander nous, je vais suggérer nous, mais nous faisons ça nous voulons. Hein? Levez gros pour ça. Gros pour ça. Levez. Ok? Comme ça. Et voilà. C'est ça. Je vais lever gros, oui. Gros pour ça. Elle a vu une jeune moi là bien facile. Ok? On fait là-dedans. On fait lever groupe pour ça. Qu'on a là ou même. Ou fait le besoin. Si ou pas fait, si on parti, mettons si tant qu'on pas lever, qu'on aura dit qui ça l'a gagné, il n'y a pas gagné. Tout simplement, la prend plus de temps de cuisson. Puis là, on a mangé les grandes différences vraiment. L'elle gagne pour ça, sous les petits gens caoutchoutés. Qu'on a là moi-même, ça m'a le faire. Ça, c'est un jus citron. Je ne vais pas faire beaucoup de choses là-dedans. Regardez ça que je vais faire. Moi, simplement, je vais mettre ce que j'aime faire. Si vous-même voulez faire le fruit, ou qu'à quitter le comme ça, ben, bientôt, en tout cas, peu importe. Moi-même, ça, je vais faire alimenter pour mes mains. Je ne vais pas quitter le gros comme ça, ok? Parce que je vais faire. Ok.
Mais l'embrouille bien émincé là, qu'on a l'embrouille juste assaisonné, ok? Là-dedans, moi mettez un peu de l'huile. Ok. Généralement, là nous dans le pays nous, lorsque nous faisons l'embrouille, normalement on pas supposé mettre sel dès le début. Sauf que moi l'embrouille ça m'a acheté là, son l'embrouille, bon, en tout cas c'est produit à vendre pour haïtien, pas grand aucune indication qui est écrite là-dessus. Donc on pas qu'on est-ce que c'est origine ou bien c'est fabriqué, on pas qu'on est, mais pas de sel, ok? Qu'on a même mis sel là-dedans. Mais normalement, soit en Haïti, soit en Ambi, ou pas supposé mettre sel. Parce qu'il est supposé tout salé. Ok? Qu'on a même mis une cuillère de l'ail haché. Juste l'ail. Mais ou même, au café épice qu'on fait en Haïti, ça veut dire l'ail, thym, poireau, pilé ensemble. Mettez ça. Après ça, mettez demi-tasse de jus de citron. Parce que ça prend beaucoup de citron, lui. Après ça, mettez ça, nous qu'on aime moi-même en pile, thym et persil. Et après ça, piment bouc. On mettez deux. Parce que y a un vrai lambi, ça prend un petit peu de piquant pour que ce soit bon. Et puis du poivre, ok? Partie là. Et puis comme vous mettez de l'eau, on va monter nous, ok? Ok. Qu'on a la main qui est en bouillie là, ok? Qu'on a la main doublée de l'eau. Qu'on a la main, mettez ça de ce côté-là. Qu'on a la quitter cuit tranquillement jusqu'à ce qu'il est quasiment sèche, ok? Ok, qu'on a la main. Est-ce que nous est maintenant bien devant nous là? Il y a un petit jus là très épaissi. Ok, avec petit jus ça qu'on a là, l'ambiance est en prêt là. Moi j'ai en nettoyé déjà, moi enlevé tout petit thym, tout petit persil que moi te météo. Qu'on a là, n'oublie pas c'est invention pas liée là. N'a là moi-même qu'on a là, moi montrer nous qui ça m'a fait. Je toujours dit. Là actuellement c'est correct. Qu'on a là, moi mets ton petit farine là-dedans. Moi le ballon sorte de petit épaisseur, mettez une cuillère de farine là-dedans. Moi mettez un quart de crème de 35% là-dedans. Bingo. Et puis me fait mettre. C'est prêt là. OK? Qu'on a nous voir ouais qui ça va arriver là. Et là tout de suite moi pour fait ça nous t'a redé yon tombé d'épinards et oignons. OK? OK, qu'on a pour me faire tomber oignon, moi mettez 150 g d'oignon. On va le faire suer oignon. Une fois que oignon bien caramélisé, n'a regardé bien nous le caraméliser là, qu'on a là mes bébés épinards là. OK, m'pas besoin couper bébé épinard là beaucoup parce que si me couper, il n'est pas bon. OK? Qu'on a là moi mettez bébé épinard là d'un coup, d'accord? Qu'on a là, n'a quitté le suer un peu et puis 1 minute plus tard nous voir qui ça va arriver. Ok, qu'on a après une minute comme ça, là nous garde épinard là, regarde, qu'on a nous va le faire tomber. Ou bien si c'est pas bébé épinard, et gros épinard là, nous gagne à couper un petit morceau pour nous faire, ok? Qu'on a là, me font un petit assaisonnement, me met un petit sel, moi met un petit poivre. Et là, moi fin de tomber épinard là, regarde, épinard là, et ça que l'on tombe épinard, tomber, c'est pas cuire, tomber. Qu'on y a là, tout de suite, moi venir avec l'ambia, moi déposer l'ambia là-dedans. C'est pour ça que je vais mettre ces petites pattes là. Et puis, qu'on y a là, je vais brasser l'ambi avec. Qu'on y a là, je vais quitter le refroidir un petit peu. Et puis après ça, je vais mettre dans le yam là, qu'on a pour mal faire yam bourré au lambi pour nous. Ok? Qu'on y a là, je vais le facile, mais mélange de lambi avec épinard là, qui là, ainsi. Pas oublier. Nous songeons de retirer ma con et yaman dans ça, mais nous voyons qui ça me fait avec, ok? Premier bas, je vais faire, je vais commencer par remplir en bas, ok? Regardez ça, je vais le faire. Tout ça, me découper en dedans, je vais te cuit. Qu'on a monté fin cuit, bien cuit. Qu'on y a là, moi, ça me fait avec. Je fais yon purée avec. Purée, ça me fait simplement mettre seulement craser. Je vais mettre rien là-dedans. Je vais mettre ni sel ni quoi que ce soit. Sel bagage mettre là-dedans, un petit glow. Qu'on a reconstituer la même chose encore. Boss maçon. Qu'on a fait boss maçon. Voilà, c'est déjà fait. Boucher ça. Là, on va le passer par en haut. On va mettre le chita qu'on a là pour mal faire reste travail là.
Une fois que ou bien rempli les cognes là, je vais prendre même type yamna encore. Je vais le déposer sous tête li pour mal faire, pour mal boucher. Ça, moi, reconstituer, c'est pas un problème ni, même si c'est pas beau, c'est juste pour que lorsque yamna pral cuit dans foie, qu'on a pour chaleur, même pour le gon bagay, pour qu'il consente, kembe tout garniture nan dan. C'est le but, ok? Une fois qu'elle finit, qu'on a la moins pour le mettre, la façon pour mal mettre le cuit dans le four maintenant. Qu'on a moins vu avec un papier de cuisson, prendre, moins envelopper la veille, au premier shot, moins bien envelopper avec papier de cuisson. Hein. Ok, une fois bien envelopper de même, qu'on a la moins pour le mettre, envelopper avec un papier aluminium. Ok, et voilà. Il en faut à 350 45 minutes, ça va être prêt normalement. Ok, ok. Après 45 minutes, moi je retire le four. Ok, et voilà. Wow. Ok, c'est vraiment ferme. Oh, c'est chaud. Maintenant, là, nous avons toute vapeur qui a levé là-dedans. Là, moi tu as supposé quitter les refroidir un petit peu un bon 20-25 minutes là, ça veut dire pour me quitter vraiment en dedans, face là pour qu'elle soit capable de prendre forme, ok? M'attends un petit moment, m'attends seulement 5-10 minutes moi-même, ok? Ok, après 3-4 minutes comme ça, je n'ai pas patience pour me tendre. Qu'on n'a pas oublié, ça, moi te mette là avec là, moi te mette pour que je sois capable de concentrer toute garniture là en dedans. Premièrement, pour ne pas sale, il y a moyen. Deuxièmement, pour ne pas couler aussi. Ok, qu'on a mal retiré les mêmes. Waouh, il n'est pas assez fret là. Waouh, c'est déjà, en tout cas, dans mon livre à moi, c'est déjà un succès. Ok, mais là devant nous, là, c'est ça qu'on va paraître là. Qu'on a mal présenté assiette et yam bourré pour nous avec l'ambia. Ok, qu'on a si toutefois regardé recette ça, pendant regarder, ça veut dire à la fin. Ou pas louer une sauce monté fait avec l'alo qui vraiment vraiment bon là, ok? Qu'on a mal commencé pour nous et voilà. On met ton petit aspect qu'on a là juste comme ça là, me présenter, ok? Le fait que c'est pour c'est moi qui fais recette moins qu'on a là mal fait ça rouler n'a pas la gueule, ok? N'a pas on look encore. Qu'on a pour cela moi mettez un petit poisson, un petit saumon, un petit morceau de saumon là-dessus. Qu'on a là, si je vais vous montrer qu'on a là, je vais mettre une sauce là sous lui. Si toutefois, je vais vous montrer assez comme ça, vous tout supposer plein dans le goût Jésus. Et voilà. Mais sauce là, vraiment, vraiment bonne. Hein? On sauce de l'alo. Et voilà. Ça c'est invention pas moqué. C'est un yam bourré avec lambi aux épinards. Et voilà, moi fais présentation pour nous. Chaîne notre journée, c'est JFL Cuisine Call. J'en fais donner votre chef à la maison qui est rentré à la canne. Un petit merci.